Et là, on arrive sur le stand d'IC Berlin, dont je vous présente le créateur. Oui, yeah, bonjour, c'est la Ralf, the IC Berlin. This is IC Berlin booth, and basically this is just a fun place. There's the main things we do is to exhibit our car. We came in this car you can see here, as well as our little picture booth. So if you would like to come here, follow me. So come in here, just sit next to mine here, sit down, come in. No, you have to sit in here. Okay, so then we press the button. Can you see here's the button? Press here and then suddenly, first picture. Then we have a second picture like serious. And the third is like hello. I mean, again, it's a web file. Like and then we have something like sorry, I forgot the mic. We have to speak into the microphone. So these are the pictures we do here as well, and then we can leave as well. So this is also for kids' classes. So we also have a kind of we also have a kids' labor here. The kids have to sell the glasses, and this morning she cleaned the car in a very nice way. So, great! Oh, looks like. Yeah, this is the IC Berlin booth crazy glasses for serious people. Alright, thanks a lot. Thank you. Là, on arrive sur le stand de Thierry Lasserie, un créateur français dont on vous a déjà parlé. On a fait un article il y a quelques mois. Et c'est l'occasion d'être sur le salon pour vous montrer quelques modèles en vidéo. Alors, présenter un modèle qui est en exclusivité chez Colette. Exactement, modèle d'écoute d'architecture. Donc, c'est une triple collaboration donc, entre moi-même et le groupe d'écoute d'architecture. Et l'artiste Thomas Lévy. L'idée, ça revisite la forme pilote qu'on connaît avec un double pont, cette fois-ci qui est complètement déstructuré, les branches blanches et avec le bout des branches qui est rose fluo. Il y a une deuxième option qui est violet fluo. L'idée, c'est Thomas a longtemps travaillé avec la gouache et l'idée, c'était de donner l'impression qu'on avait trempé les lunettes dans la peinture. Voilà pour ce modèle. C'est fabriqué en France. Qui est fabriqué évidemment à la main en France, ouais, qui est complètement unisexe. Et donc actuellement chez Colette au prix de 300€. 300€ et chez Marc Lebihan. Chez Marc Lebihan depuis la semaine dernière. Ok, ouais. Parfait. Présente un deuxième modèle. Alors ça c'est la nouvelle collection 2010, ultra luxe, avec branches dorées, très chic, un petit peu plus masculine, mais bon, il y a aussi à mesdames. Disponible dans quelques mois, c'est pas immédiat ça. Disponible, d'ici un petit mois. D'ici un petit mois on le trouve. D'accord. Sur une liste de points de vente. Donc revendeur habituel, thierrylasserie.com. Exactement. Ok, et ben c'est parfait. Alors on arrive chez Industrial. Comme vous pouvez le lire, c'est une marque française. Ils ont un petit atelier à Paris où ils font tout eux-mêmes à la main. Et on va vous présenter ce qu'ils font. Alors, premier modèle. Premier modèle en acétate qui a une spécificité au niveau de la charnière. Si, il n'y en a pas. Attention. Voilà, je monte, c'est un ressort. Il n'est pas évident le plan. Voilà, là on le voit bien, mais en fait c'est un ressort. Voilà, on peut la tourner dans tous les sens. Donc toutes les lunettes de chez Industrial n'ont pas de charnière. Voilà, donc ça c'est le premier modèle. Alors on va montrer un deuxième modèle qui est en acier. Donc un système particulier d'ouverture en fait. Voilà, comme ça, l'ouverture. Voilà. Un autre modèle, donc pareil, pas de charnière, uniquement c'est complètement intégré dans la monture. Et enfin le dernier modèle, le modèle le plus cher de la gamme, c'est un modèle en carbone, c'est un alliage de carbone très particulier. Voilà, qui est une prouesse technique, hein, parce que d'après ce qu'on nous a dit, c'est quelque chose qui se fait très rarement de pouvoir plier du carbone comme c'est le cas. C'est une journée de travail, et d'ailleurs toutes leurs lunettes sont faites à la main. Et c'est une paire qui est quand même à 1000€. Et c'est une paire à 1000€, voilà. On va voir de plus près le maillage du carbone. C'est pas du plastique, ouais. C'est vraiment du carbone. Voilà. Je fais un petit plan sur les modèles. Ils sont entre 300 et 350€ selon l'habillage, qui est soit en polymère, il me semble, ou en cuir. Voilà, on était chez Industrial.